שסחיים מימצו ורחוק מפנימים מחרום בוטח בו לבנלום ושלום ושלום לא יחזור שקל אחר Alors, on a été très impressionnés par le comportement de Tipora Haya, Rachel qui a cassé son téléphone et tout. Et voilà, on voulait savoir comment t'es arrivé à faire une éducation comme ça, exactement extraordinaire. C'est fantastique, quoi. Qu'est-ce que ça représente aussi? Parce que les personnes, elles ne comprennent pas tellement pourquoi. Même les personnes qui étaient sur le téléphone elles-mêmes, elles disaient, mais pourquoi tu vas le casser? T'as qu'à l'acheter un cachère ou quoi? De notre d'or, c'est quoi, impossible téléphone, de vivre sans ça, en fait. D'ailleurs, les gens, ils ne se parlent plus, ils ne s'adressent plus à parole. Quand ils se rencontrent ou quand ils se parlent, c'est uniquement avec leur téléphone, ils s'envoient des messages, etc. Et pour ma fille Tsipora Haya, c'était quelque chose de très, très, très important. C'est-à-dire, elle pouvait ne pas manger, ne pas boire, ne pas parler à ses copines, etc. Il fallait simplement qu'elle ait un contact avec ce portable-là. Et bon, à chaque fois que je voyais ce portable, je me disais, il faut que je commence comme le tzaddik a fait, c'est-à-dire par cette très très belle histoire du dindon. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui m'a toujours impressionnée parce que c'est la vie de tous les jours. C'est un jour le roi, son fils, donc le prince, qui décide de se comporter comme un dindon. Donc il se comporte sous la table et puis il enlève ses habits, etc. Et il se comporte mamache comme un animal. Et alors le roi essaye de convoquer les plus grands médecins et personne n'arrive à expliquer comment c'est possible qu'il ait ce comportement du jour au lendemain comme ça, jusqu'au jour où il y a le tzaddik qui est rabbinou. Et qui décide d'accompagner la personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de se mettre à son niveau. C'est sûr que moi j'ai pas le niveau du tzaddik, mais je prends son derrière, son chemin. Et donc j'ai décidé pour ma fille Tsipora Haya de pas me battre, mais d'aller dans son chemin, de ressentir ce qu'elle ressent par rapport à ce téléphone là. Et à chaque fois. Dans mes tefillotes et dans mon hitbo des doutes, je disais, Ribbono Shalom, regarde, si on est arrivé à ce d'or-là où les gens ils ne peuvent pas se passer de ça, il faut qu'il se passe quelque chose, qu'on le casse complètement. Ouais. Alors pour revenir à Tsipora Haya, je ne lui ai jamais dit, ma fille, il faut que tu casses ton portable. Ou ma fille, ne fais pas rentrer ça à la maison. C'est hors de question, il y a des gvoulim, il ne faut pas faire rentrer ça à la maison. Mais pourquoi toi, tu ne voulais pas qu'elle ait? Moi, je ne voulais pas caler ça parce que. Parce que d'abord, ce n'était pas cachère. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle pouvait voir des choses dedans ou qui n'étaient pas permis. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout ça. Mais je ne lui ai rien dit. C'est ça que je veux vous expliquer. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai jamais ouvert ma bouche. Je n'ai jamais été contre elle. Au contraire, j'ai pris de ça pour en faire une tefila. Ça veut dire que j'ai dit, Ribbono Shel Olam, si tu m'as amené ça chez moi à la maison, c'est que j'ai les capacités. D'en faire sortir notre fille. Et à chaque fois, je faisais de beaux des doutes. Et à chaque fois, je disais, Ribbono Shel Olam, aide-moi pour qu'elle s'en sorte et qu'elle voie qu'on peut sans ça. On peut même avoir des contacts avec des copines sans ce portable-là. Et à chaque fois, je lui disais rien. Et jusqu'un jour, j'ai décidé de leur offrir ce fameux voyage à Ouman. Et c'était quelque chose pour moi d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai connu Rabbeinu à l'âge aussi de 17 ans.
Et je viens de Vichy, d'une ville où il n'y avait aucun rapport avec les Breslevers, et encore moins avec la Yahadout, avec le judaïsme. Et je me suis dit que la vie, ce n'était pas possible, c'était pas, il manquait quelque chose. Jusqu'à que j'ai rencontré M. Besançon, qui m'a dirigée justement dans la Chassidoute Breslev, et que c'est là où j'ai fait mon premier voyage. Et ce que j'ai obtenu en faisant voyage à Ouman chez Rabbeinu, je voulais que mes filles aussi l'obtiennent. Et avant de partir, Tzipora Raya, elle faisait sa valise, et puis je lui dis en rigolant, tu sais Tipi, là t'es deux, ça veut dire c'est toi et ton portable, mais peut-être que tu peux revenir toute seule. Oh maman, arrête, ne me dis pas ça, si tu m'envoies dans des conditions comme ça, alors non, j'y vais pas. Non, je dis non, mais vas-y chérie, au contraire, tu vas voir, ça va être magnifique, c'est une expérience extraordinaire. Mes filles, c'est la première fois qu'elles quittaient Eretz Israël. Hein. Donc, ils partent Eretz Israël, seulement pour aller chez le Tzadik. Et quand je l'ai envoyé à Ouman, donc j'ai su après 2 jours quoi, qu'elle avait cassé son portable. Et elle a fait ma main, ça veut dire qu'elle, il fallait qu'elle laisse quelque chose au Tzadik. Alors, donc, quand elle a cassé ce fameux portable-là, elle a fait une fila pour tout le monde. Elle a fait une fila pour son frère, pour ses sœurs, etc., pour Am Israël. Et il y avait là-bas un truc qui s'est passé, un truc de fou, comme on dit, comment le tzaddik, il fait les ivoulim. Il y avait là-bas une rabbanite, la rabbanite Fefer, qui était du côté des femmes. Et quand elle a vu Tzipora Raya avec cette mimoute, parce qu'elle est rentrée, elle a dit « Rabbeinu, je vais te laisser quelque chose. » Mais pour elle, c'était laisser quelque chose de… « Je vais te donner quelque chose qui est très cher pour moi. » Tu sais quoi, elle disait « Je vais te donner un cadeau qui est très cher pour moi. » Parce que je la comprends. Quand on est avec ce portable-là, c'est une partie de soi-même qu'on est. On est attaché à ce portable. C'est comme un aimant. Voilà, un aimant. Donc, quand elle est rentrée chez le tzaddik et qu'elle a dit « Rabbeinu, je vais te laisser quelque chose et je vais le casser, mais pour toi, parce que je veux te montrer que je peux être au-dessus de ça. » Alors, quand elle a cassé ce portable-là, cette rabbanite était juste à côté et elle a dit « Je te souhaite que tu sois, que tu aies un zivou gagoun, que tu sois que tu vas recevoir ton zivou, ton khatan. » Et son mari était du côté des hommes, qui était Rav Pfeffer, qui est le rav de son mari. Et quand il a écouté ça, il a dit « Quel neshama ! Quel neshama ! » Mais pourquoi quel neshama ? Je vais vous dire, nous, on n'est pas d'une famille d'Oroth et génération, etc., où on va dire qu'on est d'une génération de tzadikim. Non, mais pour avoir eu le courage de donner ça au tzaddik en matana sans attendre autre chose. Mais elle est venue, elle a voulu lui laisser quelque chose. Alors quand il a entendu ça, il a dit « Ashreinu, Ashreinu, que de notre génération, on ait une chose pareille. » Et elle, quand elle est revenue après sur Beth Shemesh, ma fille, Tzipora Raya, qu'elle m'a dit au téléphone, alors je vous explique pas comment j'ai pleuré mes corps et âme, parce que je me suis dit « Ribbono shel Olam, c'est comme si que je passais quelque chose. » Quand on fait une course et qu'on passe le feu, tu sais le feu là, alors c'est comme si que j'avais passé quelque chose à Rabbeinu, une génération en plus, parce que j'avais amené par le Sroud d'Esther et mes enfants chez Rabbeinu. Pour moi, c'est un truc qui se suit. Ça y est, je t'ai déposé le matana, je t'ai déposé le paquet. Maintenant, c'est toi qui vas faire ça. Moi, je ne peux pas faire autre chose. C'est comme dans l'éducation des enfants. Alors, on laisse le paquet au tzaddik. Voilà. Et quand elle est revenue et elle m'a montré ce truc, j'ai dit, maintenant, je suis fière de toi, ma fille. Et le soir même, elle a eu... Elle ne voulait pas attendre, moi non plus d'ailleurs, j'étais trop excitée. Je dis voilà, Tzipora Raya, on m'a proposé quelqu'un de bien pour toi. Et 2 jours plus tard, elle était Kala. Et c'était qui a proposé ? Ce rave là, Pfeffer. Ce rave Pfeffer. Et quand elle a entendu cette femme là, cette rabbanite, qu'il y avait le vort, ça veut dire qu'on cassait l'assiette, avec une Française qui s'appelait Tzipora Raya et qui a été à Ouman, elle a dit « Mais je suis pas ma amie !» Comment le tzaddik, il a fait ce chidour-là. Et elle l'a embrassé très fort et elle a dit « Tu te souviens quand je t'ai dit que tu méritais un tel barour comme ça, qui est Nifla, Baruch Hashem ?» C'est qui ? Et Samet, Israël Dovid Samet. C'est une grande famille de Mea Sharim.
des Toldot Aharon où le tzaddik s'est glissé à l'intérieur et a rendu le dernier de 13 enfants Breslev. Il y a quelque chose de très très beau que je me dis tous les jours. Je me dis, regarde, Myriam, la vie, c'est un jeu. On te demande de monter sur une bama et de jouer. Si le Benadam, si l'homme, il considère, je vous passe à un autre discours. Ouais, après tu reviendras sur ouais. Si l'homme considère le jour même de sa vie, non, tu vois, je suis paniquée quand tu arrives. Ah oui, bon, elle est d'accord, elle entend. Faut essayer de toujours considérer le jour même. Voilà, ouais. C'est ça que je veux te dire. Et moi, à la fin de la journée, c'est comme si Rabbeinu, il vous dit, voilà, regardez, je vous descends dans ce olam-là, mais vous n'allez pas me dire que je ne vous ai pas donné les cartes. Je vous ai tout donné les cartes, tout. Un, il nous a dit, « Ibodedout, parlez à Hachem. » Deux, il nous a dit, « Mitzvat gedola liot besim ratamin. » Et il a dit quelque chose de très important, il a dit, « Celui qui fait Ibodedout, charayom yé besim ratamin. » Mais ça, souvent, on l'oublie. C'est-à-dire qu'il a dit que quand on fait Ibodedout, tout de suite après Ibodedout, mais la seconde même après Ibodedout, il faut tout de suite avoir de la simcha. Mais comment on peut? Par exemple, dans Ibodedout, des fois, on ne sait pas par quoi commencer. Alors on dit, oh, bon, allez, on m'a demandé de venir. Alors voilà, bon, je suis là. Excuse-moi, je suis là. Bon, voilà, j'arrive pas à ouvrir ma bouche. Ma bouche, elle ne s'ouvre pas. Mais on m'a dit que pourtant, de faire Ibodedout, c'était tellement simple. Là, voilà. Hachem, maître du monde, tu sais quoi, je suis venue au rendez-vous, mais je ne sais pas quoi dire. Mais même cette parole-là que vous dites, je ne sais pas quoi dire, aide-moi, desserre les lèvres de ma bouche, que je sors tout, parce qu'il n'y a que toi et moi, il n'y a personne d'autre, ce n'est pas une pièce de théâtre qu'on me demande de jouer. Non, je ne suis qu'avec toi et avec moi. Alors je vais te dire ce que j'ai dans la tête, ça c'est dur pour moi, et ça j'y arrive pas, et moi des fois... Quand je commence à faire Ibodedout, et des fois je me dis, bon, Ribono Shalom, je me suis fixé un temps tous les jours pour te parler, je m'arrête tous les jours et j'ai un moment, Me'en Olam Haba, c'est-à-dire un moment où je sors de ce monde-là. Et je vais te poser des questions qui vont me servir pour toute une journée. Alors voilà, aujourd'hui je dois faire ça, alors il faut que tu m'aides à faire ça. Comment je me suis comportée avec mon mari, comment je me suis comportée avec mes enfants, aide-moi à faire ça, truc. Et des fois, il faut oser dire à Hachem, non, je ne suis pas d'accord. Je vais le faire, mais je ne suis pas d'accord. Mais je vais le faire, pour toi je vais le faire. Tout ça, il faut se permettre d'ouvrir sa bouche pour parler à Kadosh Baruch Hu parce que il est toujours avec vous et c'est lui qui est Noeg Leolam, qui conduit ce monde-là. Et si on est attaché complètement en faisant Ibodedout, alors toute notre journée, elle va être différente. Et tout ce qui se passera dans notre journée, on n'aura rien à reprocher. Pourquoi? Parce qu'on a été, on a fait Ibodedout et on a demandé. Alors c'est comme si, par exemple, je venais de demander à Hachem, voilà, je veux obtenir, par exemple, je ne sais pas moi, un prêt pour acheter je ne sais pas quoi. Bon, un prêt. Et le prêt, je ne l'ai pas. Alors je vais venir, attends, Slicha, on m'a dit que c'est toi qui dirige le monde, mais attends, je t'ai fait des tefilotes, je ne l'ai pas eu. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je croyais qu'en faisant des tefilotes, on allait l'avoir. Attends, Slicha, hein, excuse-moi, mais bon, je ne m'attendais pas à ça, truc. Non, ce que vous allez recevoir, c'est ce qu'il y a achitov pour vous, c'est ce qu'il y aura de mieux pour vous. Mais vous vous dites, mais ce n'est pas sur ça que j'ai prié quand même, non, non, Magali, je pensais avoir mieux quand même. Eh ben non, attendez. Attendez, c'est pas la fin de l'histoire. Et avec ce que vous allez recevoir, que vous n'avez pas pensé à recevoir, après vous allez être tellement contente de ça que vous allez avoir honte de dire ouais, excuse-moi, c'est pas ça ce que je pensais pour moi. Ouais, je suis désolée, je suis infiniment désolée. Mais ce que Hachem va vous donner, c'est que lui il sait qu'est-ce qui est bien pour vous, mieux que vous. Vous savez qu'est-ce qui est bien pour vous. C'est ça. Voilà. Très bon. Voilà. Moi, je pense et je souhaite à tout le monde bonne chance dans ce olam-là. Mais si on est attaché au tzaddik, sachez d'abord que c'est le tzaddik Rabbeinu qui est venu vous chercher. C'est lui qui est venu vous chercher pour vous sortir de là où vous êtes. Et accrochez-vous. Et la seule chose, ma mâche que Bémet, je fais partager, c'est Ibodedout. Et celui qui fait Ibodedout, je peux vous dire qu'il a tout gagné. Celui qui fait Ibodedout, celui qui fait une halakha par jour,
celui qui a de la simcha, et celui qui se juge. Sachez une chose, on dit que celui qui se juge chaque fin de journée, alors tout ce qu'il aura dit, on ne peut rien rajouter en haut. Tout ça, Rabbeinu, il nous l'a dit. Donc on ne pourra pas lui dire « j'ai pas été prévenu » ou « j'ai pas reçu cette carte », c'est pas vrai. Donc pour le chilour, la bonne doute, c'est... Je pense que c'est comme ça qu'on fait le chilour. Que le chilour, comme ça. Et j'en ai pas mal. Et j'en ai pas mal, je peux vous dire, moi aussi, j'ai connu personnellement mes enfants en jean. Et je faisais que des tfilotes, et j'en ai connu des bonnes et des pas mûres, et je faisais que des tfilotes, et je pleurais, et je priais, mais je n'ai jamais dit quoi que ce soit à mes enfants. Jamais. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, Myriam, tu es attachée au tzadik, et il y a des hauts, et il y a des bas, et il y a le blanc, et il y a le noir, et il peut y avoir aussi le gris. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des niveaux. On ne peut pas du jour au lendemain, ça y est, je suis attachée au tzadik, ouais, je vois de la lumière de partout, ouais. Je vois... Non, c'est pas bien, ne fais pas ça comme ça, ça va pas, non, c'est pas comme ça dans les livres, hein. Non, tu fais mal ça. Haine, c'est pas à nous à juger, c'est pas à nous à faire des torahot, c'est pas à nous à faire des reproches. Parce que sachez une chose, c'est que le reproche, que ce soit les enfants, que ce soit le mari, que ce soit les femmes... Si on commence à faire des reproches, on va faire dafka. Et qu'est-ce que c'est dafka ? Ça veut dire on va faire exprès. Ah, tu veux pas que je mette ça ? Eh bien, je vais te montrer. Eh bien, je vais le faire quand même. C'est le benadam, c'est l'homme qui est comme ça. Ah, tu veux pas que je fasse ça ? Tu veux pas que je mette cette jupe-là ? Eh bien, je vais te montrer comment je vais la mettre. Tandis que si vous prenez ce mitré-là, par exemple, mon fils, moi, il portait, Baruch HaShem, il a tenu la barbe et les péotes, Baruch HaShem, il portait des jeans. Ouais, je me cache pas, il avait des jeans. Un jour, il est rentré à la maison, il avait un jean. Je dis, oh, superbe, extra, magnifique, on peut pas mieux faire. Ouais, comme ça. Ou alors, un jour, il est rentré et puis il m'a fait la musique comme ça. Tu sais, souvent, les jeunes, ils font comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils montrent, mais ils font comme ça. Alors, ils croyaient que j'allais m'énerver. Je fais, ouais, comme ça. Mais je me suis mise dans son jeu avec lui. Alors, quand il voit qu'on est ensemble, main dans la main, et qu'on va y arriver, je me dis, c'est pas la fin. On va y arriver. On est obligé de passer par là. C'est ça que je vais vous dire. Des fois, on est obligé de passer par là, par ce derrière-là. Et à l'heure actuelle, ben, au crachat, il est Shahor Lavan, avec des péoles, avec une barbe. Des fois, il ne kippa comme ça, des fois, il ne kippa comme ça. Mais Baruch HaShem, il met les tefilines. Baruch HaShem, il vient chez moi, il me dit, Ima, fais-moi, dis amen à ma bracha. Mais j'ai les larmes aux yeux. Parce que qu'est-ce que vous croyez que c'est facile, tous les jours, faire des tilat yadayim, tous les jours, faire les brachot, tous les jours, mettre les tefilines. C'est pas facile. C'est pas une chose quotidienne. Alors, je me lève, ça y est, je mets les tefilines. Il faut avoir ce style-là d'enfant, justement, de notre époque à nous, c'est pas facile de mettre les tefilines, c'est pas facile de faire cette fille-là. Et c'est encore moins facile d'étudier. Alors c'est pour ça que quand ils y arrivent et quand ils veulent prendre ce chemin-là, il faut les accompagner dans n'importe quelle situation. Voilà. Je souhaite une grande hatzlacha à toutes les mamans pour y arriver. Et sachez une chose, c'est que Rabbeinu, il marche devant nous. Voilà, c'est tout. Je remercie Esther Ifra de m'avoir permis de dire ces mots-là. C'est moi qui te remercie. Qu'Hachem la protège et l'aide à ramener encore et encore et encore par le dad du tzadik. Amen. Toi aussi, tu nous fasses beaucoup de courses. Tu viens tous les dimanches. Oui, bien sûr. Oui. Arrête. Non, mais je vais arranger. Non, mais Bémet et Esther, moi, j'ai connu des trucs de... Des hashgachot d'Hachem, je pourrais t'en parler des... Quand je suis restée, bon, tu couperas, hein, ça. Quand je suis restée un mois, Esther, que mes enfants, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Tu sais ce que c'est, ouvert la bouche ou se plaindre une seconde de dire, Emma, mais comment ça se fait? Mince, on n'a pas de rachmal. C'est le minimum, le rachmal. Je ne comprends pas la bouffe. Le minimum, le rachmal. Ils n'ont pas parlé, tu sais. Avant la shkia, ils allumaient les nérotes. On avait des petites nérotes comme ça. On allumait les nérotes. Un mois pile, le dernier Shabbat, Yoel, il a confectionné une plaque chauffante avec une plaque d'aluminium. On a mis plein de bougies, Esther, tu ne dîneras jamais.
On a mis un sur l'autre, ça veut dire que c'était chaud. Il avait fait à manger chez ma belle-mère. Et si tu vois comme on était contents, Esther, comme on était contents. Pourquoi? Parce que je leur disais, mais regardez le stroud qu'on a, la voisine, elle sert à Kadosh Baruch Hu. Mais nous, Hachem, il veut qu'on le serve différemment, sans Hachman. Je disais, regardez comme c'est merveilleux. Mes enfants, mais elle est pétée de la tête, maman. Elle est pétée de la tête. Avec ça, j'ai jamais fait une remontrance à Yoël. Esther, je lui ai jamais dit, bouge ton derrière, elle va travailler, va laver les escaliers, comme certaines diraient, ou va faire ça. J'ai dit, Myriam, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes. Je disais dans ma tête, il n'y a aucune personne mouchable dans le Oulam. Aucune personne. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête du Ben-Adam. Tu ne sais pas qu'est-ce qui passe dans sa tête. Comment on dit bien qu'un homme qui ramasse la parnassa, c'est 100 fois 1000 plus dur qu'une femme qui accouche. Une femme, elle accouche, elle a son bébé. Elle a quelque chose tout de suite. Lui, il faut qu'il trie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et s'il n'y arrive pas, il se dit, mince, et comment on va faire ça, et comment on va faire ça, comment on va faire ça. Un jour, Yoël, il est arrivé quand il m'a vu son Hachman. Il voulait enlever son bécheche, monter sur le toit, mettre une prise. J'ai dit, Yoël, tu fais rien. On est machlim avec la situation. Et si on est machlim avec la situation, on va avoir autre chose. C'est ce qui s'est passé. Tu viens me voir maintenant, j'ai un truc dans un yard. J'habite au Yard, dans le Yard. J'habite dans un Moshav. Ah ouais. J'ai 18 arbres d'olivier. 18, Esther. J'ai un. Et j'ai reçu les kélim des gens d'avant, qui étaient religieux. Des kélim que de ma vie, j'aurais jamais pensé avoir. Tout ce qui était chasser, je l'ai eu là-bas. Tout ce qui était chasser, je l'ai eu là-bas. Jusqu'à la cocotte minute, jusqu'au couteau. J'avais des couteaux. Je disais, pour à chaque fois, il faut que je m'achète des couteaux. Je les ai reçus. Jusqu'au N. De la patience, quoi. Quand tu es... Non, un, de la patience. Et deux, Esther, c'est d'accompagner son mari dans n'importe quelle situation. Pas la fille, elle est contente quand il lui ouvre des fleurs ou un matana. Et puis le jour où le pauvre, eh ben, il n'a pas de quoi ramener ou du pain ou du lait, tu le jettes comme un poisson pourri. Non. Quand tu te maries, tu signes avec lui pour tout. Tu as signé jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Mmh. Comprends? C'est ça la vie. Donc il y a des hauts et il y a des bas. Et la femme, je pense qu'elle elle doit accompagner son mari dans n'importe quelle situation. Comme un jour, un rav, il a dit, il ne faut pas essayer de comprendre son mari, mais il faut essayer de le connaître. Voilà, tu connais ses réactions, tu connais comment il est, tu connais... N'essaye pas de le comprendre. Quel Ben-Adam, on ne se comprend même pas nous-mêmes. On n'arrive même pas à se comprendre nous-mêmes. Un jour, on a une réaction comme ça, un jour, on en a une comme ça. Tu sais pas. Alors, quel va remettre ton mari? Quel va remettre ton mari? Tu comprends? C'est clair. Je voudrais que tu rajoutes une écoute sur le téléphone. Parce que comme ça va aller, tu sais, il y a des gens de Paris, du Canada, eux, ils sont liés. Et je pense que le téléphone, c'est un danger oui, comme ça. Mais ce que je veux te dire... Pour qu'ils comprennent la fâchez-vous de son mari. Mais je comprends pas très très bien, moi, dans ces portables-là. C'est-à-dire que moi, c'est pas... Ouais, le portable, c'est une ouverture sur... Sur le monde extérieur, mais ça va être... C'est une sur ouverture climat, qui n'est illimitée, voilà. Sur les Daesh... Mais maintenant, tu vas voir, par exemple, les Lubavitch, ils ont des portables pas cachés aussi, il y en a beaucoup, mais ils l'utilisent que pour voir des choses cachées. Il y en a qui peuvent te dire ça. Moi aussi, j'ai un portable pas caché. Voilà, donc tu sais l'utiliser. J'ai même pas envie. Mais elle, c'était même pas ça. Elle, c'est même pas le fait de cacher, pas cacher. Elle voulait donner quelque chose au tzadik. Donc, elle a donné ce qui est le plus précieux pour elle. Ah, ouais. Tu comprends? Elle ne sait pas cachère, pas cachère. Bon, à l'heure actuelle, elles n'ont pas Baruch Hashem, ni lui, ni elle. Ils n'ont pas de téléphone pas cachère. Ça ne rentre pas ni Internet, ni rien. Mais ça aurait pu rentrer. Je ne pense pas que ça aurait... Maman, je dérangeais, tu comprends? C'est ce que je veux te dire. Mais ce qu'elle a voulu donner, c'est ce qu'elle avait plus cher. Elle s'est dit, voilà, regarde, tu sais quoi, Rabbeinu? Il faut que je te laisse quelque chose. Il faut que je te laisse quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais te laisser? Un pull? Je ne vais pas te laisser un pull, parce que pour moi, je peux me le racheter, ce pull-là. Je vais te laisser une partie de moi-même. Et cette partie de soi-même, d'elle-même, c'était son portable. Parce que c'était ça avec quoi elle avait un moyen de communiquer avec le monde extérieur, tout en restant dans son monde à elle. En fait, c'est ça. De là où tu es, tu peux partager plein de choses avec le monde extérieur et tu peux découvrir des choses, mais malheureusement ce que tu découvres dans le portable, c'est que tu peux pas le palper. C'est quelque chose illusionnaire, c'est quelque chose que ça, je veux dire, que tu ça prend ta vie, voilà, complètement. Ça détruit des couples, ça détruit des familles, ça détruit, c'est incroyable.
Et moi, ce qu'elle a voulu laisser ma fille sur ça, et que je ne lui ai jamais fait de reproche, au contraire, j'ai été dans son derrière, j'ai été à sa madriga, même il y a des choses, une fois mon fils, je veux dire, moi maintenant il a 22 ans, mais mon fils quand il avait l'âge de 13 ans, 14 ans, c'est les périodes les plus difficiles, je pense. 14, 15 ans comme ça, c'est période... un matin il est rentré, il a dit, maman, je veux me couper les bottes. Je dis, ah ouais, pas mal, pas mal. Donne-moi les couteaux, donne-moi le ciseau. Ah, je dis, mais il est dans le troisième tiroir. Quand il a vu que j'allais avec lui jusqu'au bout, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, allez, finalement, allez, je le fais pas. Ah, bah très très bien. Mais si j'avais été dire, fou, banane, ça va pas, non? Qu'est-ce que tu vas casser? Qu'est-ce que tu vas couper tes péotes? J'ai tout lâché. Je suis revenue bitchouva. C'est pour ça, c'est pour obtenir qu'un fils, il vient à l'âge de 14 ans et il veut couper ses péotes. Non, j'ai été, mais c'était dangereux ce que j'ai fait. Mais j'étais tellement mamine que... Vas-y, mon fils, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Tu vas connaître qu'est-ce que c'est ça aussi. Mais sache que tu vas te brûler. C'est pour toi. C'est pour toi. Vas-y, fais-le. Je te donne le libre choix. C'est ça que je veux te dire. Des fois, on a toujours le libre choix. Mais des fois, il faut prévenir les enfants. Tu vois, par exemple, des fois, elles te font des choses. Mes filles, elles te font des choses que je leur dis, c'est pas que d'aille. Mais comment tu sais? Je dis, parce que moi, je suis passée par là et je me suis brûlée. Mais tu veux te brûler. Vas-y, brûle-toi. Mais ça va te faire mal. Mais vas-y, je te laisse le choix. Vas-y, fais-le. Et au moment où on laisse le choix, c'est là où elles ne le font plus. Donc ce portable-là, je lui ai laissé le choix. Je ne lui ai pas cassé, je ne lui ai pas pris, je ne lui ai pas confectionné, je ne lui ai pas pris pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être il va y avoir quelque chose que ma nienne, avec les garçons ou pas les garçons, rien. J'ai toujours été respectable. Toujours, jusqu'au jour où elle l'a offert à Rabé. Ouais. Là, c'est trop beau.